C'est le signe que le Congrès est en train de tirer l'ensablement vers sa fin. On multiplie les occasions de prise de parole. En tout cas, rebonjour à vous et merci d'être là encore. Nous recevons M. Ibrahima Kane. Idrissa Kane. C'est pas le moment de changer d'identité parce que M. Idrissa Kane, le directeur général de Niger Post. Vous le voyez, c'est un jeune patron, comme on en a désormais dans notre sous-région et même au-delà. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors ici, vous avez un échantillon des journalistes qui constituent l'équipe du centre de presse, qui depuis bientôt deux semaines et demie, interviewe les personnalités, les acteurs du monde postal. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous recevoir. Je sais que vous avez un agenda qui est très tight, comme on dit. Vous avez quand même trouvé du temps pour venir et nous apprécions votre disponibilité. Alors, c'est en deux temps. Okay. Vous allez tenir un propos introductif et ensuite, nos amis vous soumettront à leur sagacité. D'accord. Ils aiment beaucoup les chiffres, donc donnez-les, mais soyez précis parce que demain, ça risque de faire la une des journaux. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à tous et toutes. C'est un agréable plaisir pour moi d'être devant vous pour exposer un certain nombre d'événements ou en tout cas sur l'actualité du Congrès, mais aussi sur l'actualité de la Poste au Niger, particulièrement, je suppose. Et je pense que j'introduirai un peu plus les éléments d'information à travers les questions. Sinon, on est très content d'être là en Côte d'Ivoire, qui est notre pays comme tous les Africains qui sont venus ici. Vous voyez, il a jeté la balle dans votre camp. Il n'a pas tort. Je vais rappeler que c'est un très jeune patron qui a eu l'expérience aussi de la Poste en France. C'était dans un cadre de la Poste en France. Et j'imagine que vous nous parlerez tout à l'heure de ce nouvel univers qui est celui de la Poste du Niger. Et en quoi cela change votre manière de percevoir ce service universel et surtout vos méthodes de management. Alors, chers amis, en tout cas, merci. La première question. Merci. Monsieur le directeur, je suis Emily Damboa, journaliste au quotidien Fraternité Matin de Côte d'Ivoire. Alors, moi, j'ai trois préoccupations. D'abord, ma première question, que représente la Poste du Niger en termes de nombre d'emplois, de bureaux de poste? Et la deuxième question, aujourd'hui, quelles sont vos propositions pour un secteur postal dynamique dans nos pays africains? Et pour terminer, il y a eu aussi la crise sanitaire de la COVID-19. Comment est-ce que la Poste du Niger a pu faire face à cette pandémie? Merci. Okay. Merci beaucoup. Ah, je réponds, oui, voilà, parce que sinon, je n'ai pas plus de quoi noter. Merci pour ces questions pertinentes. La Poste du Niger, c'est à peu près 400 personnes, à peu près. Le nombre exact, serait difficile pour moi de le donner tout de suite, mais c'est à peu près 400 personnes pour plus de 100 agences. Et notre pays, il faut le savoir, c'est 1,267,000 km². Donc, 100 agences, on peut penser que c'est peu, mais en réalité, c'est le plus grand réseau financier en termes de gestion de comptes au Niger. Et bien réparti de manière capillairement réparti, on va dire, sur le territoire. Nos activités principales, puisque vous avez parlé de, si il me semble, non, si je ne me trompe pas, nos activités principales tournent autour des activités de courrier-colis, autour des services publics universels. On a une forte activité autour des services financiers. Développer encore plus. La place de Niger Post, c'est bien cela, la deuxième question. D'accord. Bon, moi, je vais peut-être parler un peu de la Poste du Niger et essayer de voir comment se peut transposer ça. La Poste, j'ai eu à le répéter au cours d'autres interviews, la Poste est une entreprise même qui a commencé avant même les indépendances de nos pays.
Tout à l'heure, on était avec les différents ministres. On a vu que le premier bureau de poste en Côte d'Ivoire, c'était à Assini, dans les années 1800. Donc, l'État de Côte d'Ivoire n'était même pas créé. C'est à peu près partout pareil. Donc, c'est un formidable outil de développement et d'aménagement du territoire qui a connu son apogée dans les années 70 à 80, lorsqu'on n'avait pas un développement, on va dire, aussi important des télécoms et des services digitaux. À partir des années 90, il y a un certain nombre de problèmes. Il y a eu ce qu'on appelle le programme d'ajustement structurel qui a fortement impacté les postes, où il a été décidé de séparer les activités de poste et de télécom. Ça, c'était un choix de l'époque. Et pire, pour certains, on leur a même enlevé leur capacité par rapport aux services financiers. Beaucoup de pays ont ce genre de problématiques. Nous, à la Poste du Niger, bien heureusement, on ne nous avait pas retiré les services financiers, mais c'est une poste pour laquelle qui a été laissée avec beaucoup de problèmes. Et face, on va dire, au développement et à l'environnement changeant qui va aller très vite, les postes très vite dans beaucoup de pays ont semblé obsolètes. Donc maintenant, je vais répondre un peu plus à votre question. Il s'agit pour nous de se réinventer, de trouver la capacité à être, au diapason des besoins qui sont, comme vous le savez, on est dans une époque où les gens veulent très vite les services et veulent très vite, la qualité de service. Nous avons remarqué, en tout cas, nous, c'est notre stratégie, au-delà des problématiques des courriers-colis à travers les e-commerce, etc., donc à la digitalisation des services qui est inévitable, pour moi, ce qui va faire sortir les postes, le secteur postal d'un certain marasme dans lequel il est, c'est les services financiers. La Poste Côte d'Ivoire et d'autres postes ont été justement victimes de ces problématiques de retrait des services financiers. Nous, chez nous, à la Poste nigérienne, on les avait gardés. Et aujourd'hui, on a quand même réinventé un certain nombre de pratiques autour des services financiers avec une modernisation, mais aussi une réponse aux besoins de l'État à travers notre réseau qui était, bien réparti dans le territoire. Et ça nous a permis à la Poste nigérienne de se relever. Je ne dis pas qu'on est à l'aise, très à l'aise financièrement, mais Dieu merci, comme on dit, la Poste aujourd'hui est dans une logique de développement. Donc, moi, ma principale recommandation ou ce que je souhaiterais, c'est que notre organisation, l'UPU, l'Union Postale Universelle, mette un œil là-dessus et trouve les moyens de pouvoir réhabiliter, en tout cas d'aider à réhabiliter les postes dans leurs droits par rapport aux services financiers là où il n'y en a pas, et d'être aussi, un facteur d'encouragement aux politiques pour pouvoir faire l'inclusion financière. Parce que c'est aujourd'hui l'enjeu principal dans nos pays, c'est l'inclusion financière. Les postes sont les premiers acteurs les plus importants pour l'inclusion financière. Et pour moi, l'UPU, fort de ses 192 pays, fort de ses 660 000 points de contact, je pense plus de 3 milliards, en tout cas en termes de transactions financières, c'est énorme. L'UPI doit pouvoir se contester sur cela. Aujourd'hui, ce n'est pas le thème du congrès qu'on est en train de suivre, mais en tout cas, nous, si on doit faire des suggestions, ce serait à ce niveau-là. J'ai répondu aux trois questions, ça ou bien... La COVID-19. Alors, la pandémie de COVID-19, c'est pour ça qu'il faut me poser une question par question, parce que sinon, je vais perdre. La pandémie de COVID-19 a surpris tout le monde. Donc, tout le monde s'est adapté par rapport à la COVID-19. Je vais même être... nous, ça a été une opportunité pour nous. Parce qu'à chaque fois, nos pays, qu'est-ce qu'on dit? On dit que les postes sont dépassés et que pour les transports de courrier, de colis en local, seuls les bus ou les transports de marchandises peuvent le faire. Et quand on dit non, on demande aux régulateurs d'appliquer la loi, ils disent que non, peut-être qu'on n'est pas en capacité de répondre aux besoins de la population et que ça peut créer des problèmes sociaux. Parce qu'il faut se le dire, nos autorités sont confrontées à une problématique où beaucoup d'opérateurs de transport de courrier-colis ne respectent pas la loi. Donc, il convient de les faire amener à respecter la loi. Et la pandémie de COVID-19 nous a mis devant le fait accompli, c'est que ces transporteurs ont arrêté du jour au lendemain puisqu'il y avait, par exemple, à Niamey, une interdiction de sortir. Donc, le transporteur de courrier-colis pendant 3 mois au Niger
est un seul acteur, c'était Niger Post. Et tous les courriers colis ont été envoyés en temps et en heure, et les gens ont redécouvert la Poste et ont compris que voilà, la Poste pourrait être capable de subvenir à ce besoin. Donc nous, en tout cas aujourd'hui, on a un fort, argument auprès des autorités pour leur montrer que, contrairement à ce qu'ils pensent, la Poste est toujours capable et d'ailleurs à des prix défiant toute concurrence, puisque vous savez, on est tenu par le service public universel d'accès aux produits courriers ou colis, de distribuer les courriers ou colis à n'importe quel endroit du territoire. Donc, la pandémie de COVID-19 nous a permis, sur ce point-là, de faire cette démonstration. Mais, il y a aussi, tous les aéroports ont été arrêtés pendant 2-3 mois ou 4 mois. Donc, tous ceux qui étaient transactions interpays étaient arrêtés. Donc, on s'est réinventé pour aller sur des transporteurs qui étaient plutôt autour des frettes, et on a eu d'autres partenariats. Mais il faut savoir que sur ce plan-là, on a eu quand même c'est des coûts qu'on a encaissés, et malgré tout, nous, on est fiers. 2020, notamment avec les services financiers, mais d'autres produits, puisqu'il fallait faire de la diversification, peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler avec les autres questions, on n'a pas été trop touchés. Au-delà de cette partie-là dont je vous parle, c'est-à-dire l'import-export international, qui malheureusement a eu un impact fort sur tout le monde, le coût et le délai. Voilà, merci. On va faire une question par question, parce que sinon, je te fais. Bonjour, je suis Cyprien Kouassi, journaliste à Abidjan.net. Nous avons également eu une représentation au Niger, du nom de Aniame.com. OK. D'accord. Alors, ma question est la suivante. Il y a ici même... là où vous êtes arrêté, le directeur général du Bureau international de l'UPU a invité les pays membres de l'UPU à amorcer le chemin de la digitalisation. Mm-hmm. Et comment est-ce que vous comptez concrètement chez vous au Niger respecter en tout cas cette consigne en griffe? Bon, je remercie le DG de l'UPU, mais on est très conscient et... comment dirais-je, de cette problématique. Je veux dire, heureusement qu'on n'a pas attendu la conférence d'hier du DG de l'UPU pour amorcer ce chemin, parce que c'est un chemin irréversible. Soit on l'amorce, soit on meurt. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, les postes, c'est les seules sociétés qui ont une diversité en termes de produits et services. Vous faites du courrier colis, vous faites même de la téléphonie, parce qu'avec des opérateurs virtuels de téléphonie mobile, les postes sont capables de le faire, des banques, etc. Donc, et il y a le e-commerce. Donc, services aussi bien en interne qu'en externe. En interne, on a interconnecté tous nos bureaux. On a commencé à mettre en place un ensemble de services et produits qui permettra, dans un délai très court, à ce qu'on fasse une circulation de zéro papier. En tout cas, moi, c'est mon vœu. Le plus vite, le temps qu'il y ait une appropriation aussi du personnel, mais aussi qu'ils sachent que la digitalisation est le chemin le plus facile pour une performance d'entreprise au 21e siècle. Quand il s'agit de la digitalisation des services par rapport à nos clients, on a par exemple créé, ça aussi c'est une nouveauté, la première plateforme de e-commerce au Niger. Au lieu de subir, nous avons voulu être, créateurs. C'est-à-dire, le e-commerce est aujourd'hui une voie très importante de développement, et nous sommes logisticiens de nature. Donc, on préfère faire la plateforme et le marketplace qui va permettre de faire cela avec nos convictions et qui passeront par notre réseau. Donc, on a fait la plateforme de e-commerce qui s'appelle Kaomini. En Hausa, ça veut dire amène-moi. On a aussi, sur nos services financiers, on a créé un wallet, un portefeuille électronique qu'on appelle Post Immo.
de ce nom, qui veut arriver à être un acteur de développement économique et social, est obligé d'être dans l'ère de la digitalisation, ou bien elle meurt. Et nous, on a choisi de vivre et on a choisi d'être l'une des entreprises les plus performantes au Niger. Et j'espère qu'on le sera très vite. Mais en tout cas, c'est la vision qu'on s'est donnée. Okay, merci. Bonjour, DG. Bonjour. Quelques petites précisions. Encore bien de passer le micro à ma voisine. Alors, déjà, d'entrée de jeu, le MC l'a dit, vous êtes très jeune. Donc, déjà, on veut savoir un peu. Relativement. Le nombre d'années que vous avez fait déjà à la tête de la poste du Niger. Okay. Alors, vous êtes là depuis combien d'années à la tête du Niger? Et puis, un petit bilan de votre parcours. De votre parcours. Maintenant, parlant de digitalisation, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes en voie. On parle beaucoup plus des aides aujourd'hui que d'autres choses. Alors, sur une échelle de 100, à quel niveau se trouve la poste du Niger? En digitalisation? Oui. Peut-être que je vais répondre à cette question. Je pense qu'on est autour de 60. C'est parce que je suis très exigeant par rapport à moi-même. Mais sinon, on a fait énormément d'efforts à la poste du Niger. Pas les chiffres exacts, beaucoup plus, pour équiper tous nos points de contact d'ordinateur. On a fait en sorte qu'il y ait une interconnexion avec un intranet qui va se développer. Et de plus en plus, dès lors que l'intranet sera mis en place, la circulation d'informations et tout ce qui s'ensuit, on est en train d'interconnecter aussi nos produits de comptabilité avec notre logiciel de gestion intégré qui s'appelle Postalia chez nous, qui nous permet de faire tous les métiers de la poste. Donc tout cela, on est dessus. Donc je dirais qu'on est à 60%. Mais, et alors je réponds à votre dernière question, ça fait bientôt 4 ans que je suis à la tête de la Poste du Niger, donc du Niger Post. Donc, ce qu'on peut dire comme résultat, c'est que justement, avant ces 4 ans, il n'y avait que 8 bureaux qui étaient interconnectés. Donc, on a très vite fait de réduire cette problématique-là, parce qu'une entreprise qui n'a pas un système d'information solide ne pourra pas prospérer. En 4 ans, on a quadruplé notre chiffre d'affaires. On avait un chiffre d'affaires autour de 900 millions de francs CFA. La première année, donc 2018, on était à 3,6 milliards. Et ces derniers temps, on est à 3,2 milliards. C'est lié essentiellement à 2 choses. À notre, on a fait une stratégie de gouvernance et de marketing. Parce que avant, comme dans beaucoup de pays, je suppose, c'est un peu partout, on dit, est-ce que la poste existe? Parce que souvent, il y a énormément de publicité autour de nos concurrents, pas nos concurrents. Et la poste, qui était finalement un opérateur, entre guillemets, de l'État, ne voyait pas les clients comme des clients, mais les voyait comme des usagers. On appelait ceux qui rentraient dans nos bureaux de poste des usagers. Donc, il y avait une démarche d'aller vers le client au lieu que le client vienne vers nous. Donc, on a vraiment renforcé ça. On a relifté notre offre. Avant, quand on voyait nos produits, on leur parle en chinois, ils ne comprennent pas. On a créé des nouvelles offres. On a créé 7 nouvelles offres en 2 mois. Et sur ces bases-là, on a rendu accessibles nos offres pour qu'elles soient plus compréhensibles. Et on a fait nos offensives commerciales. Ce qui a fait que, je vais donner trois choses qu'on a créées. On a créé une nouvelle branche qui s'appelle Logistique Poste, qui est essentiellement basé sur le transport des grosses marchandises. C'était un créneau sur lequel la Poste n'était pas un acteur et on s'est immédiatement dit que c'est quelque chose sur lequel on va être un acteur. D'ailleurs, on a été le partenaire officiel de l'agence UA 2019, agence qui a organisé le sommet de l'UA en 2019 avec beaucoup d'infrastructures qui ont été érigées en Niamey. Et pour laquelle la Poste a transporté plus de 1200 conteneurs, à peu près 80%. Donc, par là, on a vraiment ouvert un créneau sur lequel on est rentré dans une certaine expertise. D'autre part, nos services financiers ont été, l'État a fait confiance à la Poste pour régler un problème autour de la bancarisation. Au Niger, beaucoup de fonctionnaires et aussi d'autres agents qu'on appelle les agents contractuels ne prenaient pas leur salaire dans un schéma d'un compte avec un chèque ou une carte bancaire. Donc, l'État a fait confiance à la Poste pour la partie contractuelle qui représente plus de 77 000 personnes. Donc, imaginez payer 77 000 personnes avec une infrastructure et dans un délai très court. Donc, aujourd'hui, nous sommes une des seules postes
peut-être même la seule, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faudrait qu'on enquête, qui arrive à faire un paiement de masse de plus de 77 000 personnes et qu'il arrive à le faire dans les conditions les plus, accessibles pour nos clients. Et chaque fois, on réfléchit à travers des nouvelles offres, à travers des épargnes. Aujourd'hui, on a fait en sorte de, on a fait de l'éducation financière pour ces contractuels-là. On a créé de nouvelles offres pour avoir, on va dire, accès aux services et produits comme des parcelles, des motos, etc. Bref, on est toujours dans l'inventivité, dans l'innovation afin que nos clients soient le plus satisfaits possible. Et c'est même dans ce cadre-là, puisque je l'ai annoncé tantôt, on va créer rapidement le CCP mobile qui sera une révolution au Niger, qui va être encore un axe important de mobile banking au Niger. Nous, l'idée pour nous, c'est qu'on soit que ceux qui reçoivent leur salaire autour du CCP puissent être intégrés avec un ensemble de l'écosystème avec le mobile money. Tu peux recevoir ton salaire sur le CCP mobile et puis tu transfères ça dans un de tes comptes de mobile money pour faire une transaction ici et là. Parce qu'aujourd'hui, chez nous, la digitalisation de manière générale au Niger est très faible. Et pour pouvoir le faire, il faut que des acteurs comme nous soyons, là, parce que sans nous, on ne pourra pas avoir l'inclusion financière, mais à nous aussi d'être à la hauteur des ambitions. Donc, au bout de 4 ans, aujourd'hui, on a une société qui était une société qui avait des difficultés, qui avait besoin de l'État pour survivre à travers des subventions. Par exemple, ça fait 2 ans qu'on ne nous donne plus de subventions et on est une société qui vraiment, aujourd'hui, est sur une pente ascendante. J'espère qu'elle sera bientôt exponentielle parce qu'on vise à avoir des chiffres d'affaires autour de 8 milliards parce que c'est bien possible et rien ne nous empêche de le faire. D'où d'ailleurs le thème du congrès, hein, digitalisation des services postaux, développement de e-commerce, mais aussi développement des services financiers. Je reviens à ça. C'est grâce à nos services financiers qu'aujourd'hui, on a des capacités de pouvoir faire des investissements aussi bien pour le courrier que pour le colis. Vous voyez, il faut une rentrée d'argent suffisante, régulière, permettant de pouvoir faire des investissements. Donc, en 4 ans, voilà grosso modo ce que je peux dire. Et on est en perpétuelle, remise en question de soi pour améliorer les choses. Voilà. Bonjour, bonsoir DG. Bonsoir. Vous avez dit que vous êtes en perpétuelle remise en soi. Vous êtes aussi dans une phase de réinvention. Ma question est de savoir, je me nomme d'abord Fulbert Yao du quotidien L'Expression. De savoir comment est-ce que la Poste s'adapte face au terrorisme qui aujourd'hui occupe une certaine région du pays. Ah, rectification, les terroristes n'occupent pas une certaine région du pays. Aujourd'hui, pour information, les attaques, ce qu'on appelle les zones des trois frontières, malheureusement, les attaques viennent des pays frontaliers. Ils viennent attaquer et puis ils se retirent. Donc, je voulais quand même préciser cela. Le Niger a quand même, il n'y a pas une occupation d'un territoire par le Niger. Ça, c'est très, très important. Mais effectivement, il y a ce problématique de terrorisme. D'ailleurs, vous me donnez même l'occasion de donner un exemple d'un partenariat très important qu'on a fait et qui, pour nous, est aussi vraiment source de fierté. C'est que, vous savez, avec les élections, il y avait la Commission électorale nationale indépendante qui avait à peu près plus de 6 000 opérateurs qui étaient très mouvants pour aller enrôler de manière biométrique les populations en vue des élections. Il y a tous les aspects logistiques, déplacements, etc., mais il y a aussi l'aspect des paiements qu'ils doivent avoir pour qu'ils reçoivent leur dû, et qu'ils soient donc, on va dire, assez à l'aise pour continuer leur travail. Ça, c'était une grosse problématique qu'ils avaient. Et nous avons fait une offre à la CENI et nous avons pu, partout où ils sont partis, faire les paiements là où, ces opérateurs étaient. Ils étaient très mouvants, ils allaient dans les plus petits villages. Cela, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en réalité, plus tu vas dans des endroits un peu éloignés, etc., plus tu es confronté à cette problématique de sécurité, de faire en sorte que tu fasses le transport des fonds d'un endroit, on va dire, plus ou moins sécurisé ou plus sécurisé à des endroits où il y a des risques. Aujourd'hui, moi, je tire un chapeau à l'ensemble, c'est l'occasion pour moi, des chefs d'agence et des agents qui travaillent cela. Ils le font avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup aujourd'hui, on n'a pas pu faire en sorte qu'ils soient complètement à l'aise, mais chaque fois, on essaie d'améliorer avec une sécurisation, avec, je ne vais pas trop dévoiler comment ça se fait, parce que sinon, c'est un peu dangereux. Mais en tout cas, aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes
peut-être la seule institution pouvant aller faire des paiements dans des endroits très compliqués. Une des zones qui est très compliquée où nos concurrents même souvent n'y sont pas, c'est nous qui assurons le service de l'autre côté. Mais je ne vais pas dire les villages ou les villes, mais il y a des zones, on va dire, un peu compliquées où ces machins, on fait une très grosse collaboration avec les autorités locales. Vous savez, les postes avant, c'était l'administration en réalité, puisqu'on travaille avec les préfets, on travaille avec les agents de l'État. Souvent même, nos bureaux de poste sont à côté des préfectures, des sous-préfectures. Donc, il y a une collaboration avec eux naturelle qui permet de pouvoir répondre à ces exigences autour de la sécurité qui, j'en conviens, ce n'est pas très facile à gérer. Bonsoir, Monsieur le DG. Ah, vous êtes là. Je suis Yao Viviane du journal L'Héritage. Mm-hmm. Nous sommes à quelques jours de la fin du congrès. J'aimerais savoir si, en quelques mots, vous pouvez nous dire un bilan, un petit mot sur ce que vous avez vécu et si vous pouvez faire un bilan succinct. Donc, c'est je dis que mon temps de parole est... Non. Le congrès, puisqu'on n'a pas parlé de ça, c'était une fierté pour l'Afrique. Puisque vous savez, ça fait des années que la Côte d'Ivoire devait accueillir ce congrès à cause de plusieurs péripéties. Cela n'a pas été le cas. Et d'ailleurs, c'est un soulagement parce que ce qu'on a vécu les premiers jours du congrès était une aberration pour nous parce que des pays voulaient faire une délocalisation du congrès, faire en sorte que à cause de la pandémie de COVID-19, ils disent que non, ils ont peur, etc. Alors que la pandémie, statistiquement, elle est beaucoup plus importante dans ces pays-là que chez nous. Quand je dis chez nous, c'est Afrique, le Niger, la Côte d'Ivoire, tout ça. Et ils voulaient faire une délocalisation dans un autre pays pour faire en sorte que les gens puissent se déplacer, restent dans l'autre pays et puissent être connectés. Vous voyez, c'est un peu ça aussi le biais des services digitaux. Ah, parce qu'on a introduit la problématique des services digitaux, vous savez, maintenant, ça crée des problématiques juridiques, notamment sur quand on fait un conseil d'administration, quand on fait un congrès, etc. Est-ce que la présence physique est obligatoire ou pas? Donc, ce sont des paramètres sous lesquels beaucoup d'entreprises se sont adaptées pour pouvoir faire la continuité de leurs services. Donc, pour revenir à ça, ils ont voulu le faire pour nous. L'Afrique a fait bloc. L'Afrique a exigé, c'est soit Abidjan ou rien. Et Dieu merci, c'est pour ça que je parlais de soulagement. L'Afrique démontre aujourd'hui avec fierté qu'on est capable d'accueillir ce genre d'événements avec vraiment toutes les commodités, aussi bien logistique et puis par rapport aux services. Donc pour revenir sur ça, donc je parlais de fierté, de soulagement, mais au-delà de ça, on est venu pour travailler, on est venu pour asseoir la stratégie postale pour les 4 prochaines années qui arrivent pour faire face à cet environnement extrêmement concurrentiel autour du e-commerce avec comme vous le savez, énormément de colis qui circulent de part et de monde. Quand on envoie par entre guillemets Amazon un colis que vous achetez, en fait c'est les postes qui font tout l'acheminement vers jusqu'au client final. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ça se passe bien, on va dire ah c'est bien la poste. Et quand ça se passe mal, on va dire ah c'est la poste. Or des fois c'est pas la poste qui livre pour lequel il y a un problème. Des fois c'est la poste expéditrice qui fait qu'il y a un problème. Mais le client ne voit pas ça. Le client veut son produit, point final. Donc, c'est pour ça qu'on est là à travers un certain nombre de commissions pour, notamment sur cette partie-là, faire en sorte que le réseau puisse bien marcher, qu'on mette en place les systèmes d'information permettant de mieux communiquer et de faire en sorte que la logistique se passe. Donc, le congrès a pour but de valider un certain nombre de points autour de la stratégie et même pas autour de l'ouverture de l'organisation. L'organisation aujourd'hui, une organisation intergouvernementale. Donc, l'État, l'opérateur désigné, donc c'est les postes historiques et les régulateurs sont les seuls qui participent à ce congrès. Aujourd'hui, on réfléchit à ouvrir à d'autres secteurs privés. Je parlais tantôt d'Amazon, mais je parle aussi de DHL, etc., qui ont envie d'intégrer la famille. Maintenant, c'est à nous de savoir comment est-ce qu'ils vont intégrer la famille pour que les intérêts soient gagnants-gagnants. Parce que s'ils intègrent la famille, c'est très bien, mais il faut en sorte que nos intérêts soient préservés. Et je reviens sur ça parce que moi, c'est ça ma préoccupation principale. Il ne faut pas, au nom de la modernité, au nom de l'innovation, etc., faire en sorte que nos postes historiques meurent. Parce que le jour où elles vont mourir, c'est les services postaux qui vont en pâtir et on va avoir plus de conséquences pour le truc. C'est les services postaux, les opérateurs désignés qui sont les seuls
habilité à faire du service public pour envoyer un courrier. Si aujourd'hui, dans des endroits reculés et à perte, si aujourd'hui ces postes-là disparaissent, il n'y aura plus ce service et on ne sait pas comment ça va se dérouler. Donc aujourd'hui, c'est un peu sur ça qu'on est en train de s'acheminer. Les prochains jours, puisque là, on a fait les commissions, on a fait les conférences de ministres les premières semaines, à partir d'aujourd'hui et pour la fin du congrès, ce sera la plénière du congrès qui va notamment élire les pays pour le conseil d'administration, les pays pour le conseil d'exploitation postale et les nouveaux dirigeants de l'UPU. Donc aujourd'hui, c'est à ce sur quoi on est en train d'aller. Très bien. En tout cas, bravo, hein, c'est assez riche comme intervention, mais on n'a pas encore fini, on a encore quelques minutes, si vous le permettez. Je vais vous poser quelques questions avant que nos amis journalistes reprennent peut-être la parole. Mm-hmm. Vous avez parlé du congrès, et demain, c'est jour d'élection. Ouais. Est-ce que vous, en tant qu'Africain, tout à l'heure, vous avez affirmé l'unité, la solidarité africaine lorsqu'il y a eu la tentative de délocaliser le congrès? Est-ce que par rapport aux élections qui sont prévues, au renouvellement des instances de l'UPU, il y a une position africaine ou il y a diverses positions de pays africains? Merci pour cette question. Moi, je ne crois que ce que je vois. Et ce que je vois, c'est que, bon, pour l'instant, puisque les votes sont à bulletin secret, donc on peut se voir avec tel pays pour dire « non, je vais voter pour toi ». Et le jour du vote, on a une petite surprise. Mais néanmoins, je pense qu'il y a une certaine solidarité. L'Afrique est candidate, aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, c'est le secrétaire général est un Africain, sortant c'est un Africain, M. Bichar Hussein, qui a mené avec son binôme, M. Pascal Silva, son secrétaire général adjoint, énormément de travaux, on va dire, très importants pour l'UPU, pour la réforme même du fonctionnement de l'UPU, mais aussi l'introduction d'un certain nombre de produits à même de développer les postes comme Ecom Africa et puis un certain nombre de produits. Donc vraiment, c'est le lieu pour moi de les encourager ou de les féliciter puisqu'ils arrivent à la fin du mandat. L'Afrique a un candidat au poste de secrétaire général adjoint, en la personne de monsieur… Directeur général adjoint, c'est vrai. Oui, bon, effectivement, au poste de directeur général adjoint, à la personne de monsieur Younous, qui est un Camerounais. Et donc, les pays africains, à travers l'UA, ont demandé à ce qu'on l'accompagne dans ce combat pour occuper la position du directeur général adjoint. Donc, sur ça, je pense qu'il n'y a pas de doute possible sur cette partie-là. Moi, j'exhorte tous les pays africains à suivre les recommandations par rapport à son élection. Maintenant, par rapport au directeur général, ça dépend un peu des intérêts des pays par rapport aussi à la sensibilité des personnes qui vont diriger, parce qu'on a besoin de personnes qui ont une capacité de diriger. Si ça se passe mal, si le commandant de bord ne fait pas les choses comme qu'il faut, savoir que ça peut créer tout ce qu'on peut. Vous savez, on est 192 pays avec 192 pensées, hein, donc c'est un peu compliqué. Sur ce plan-là, nous osons espérer que les choix les meilleurs seront faits pour l'UPU, parce que nous, à la fin, c'est que l'UPU sorte gagnante et qu'elle continue à nous proposer des facilités, des projets à même de nous aider à nous développer et de communiquer entre nous. Donc oui, j'espère que les gens vont respecter leurs consignes, en tout cas en ce qui concerne le directeur général adjoint. Très bien. Alors, je vais poser une question un peu, enfin, pas personnelle. Vous parlez tout à l'heure au début de votre expérience française. Mm-hmm. C'est quoi les deux univers? Qu'est-ce qui change quand vous arrivez à la tête de la poste du Niger? C'est vrai, il n'y a pas seulement que le nombre de bureaux de vote, de poste, mais il y a aussi l'environnement culturel, le management, peut-être que vous êtes adapté. Comment vous avez fait pour tenir 4 ans? Bon. Là, bon, on aurait pu peut-être poser. Bon, effectivement, je viens de la poste française qui n'a. Bon, c'est peut-être que c'est pour ça que je vois les choses un peu autrement, parce que là-bas, c'est une poste, c'est un groupe qui, tenez-vous bien, ils ne savent même pas le nombre de filiales qu'ils ont. Ils ne sont même pas en capacité de ça, parce qu'il y a des centaines et des centaines, peut-être même des milliers de filiales. Et ce que je vous dis, c'est véridique, hein. Un système d'information, ils sont pas capables de faire une architecture de leur système d'information. C'est 17 000 points de contact en France, c'est 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 1 milliard, des fois 1,5 milliard de résultats nets d'exploitation. Ça n'a rien à voir. Quand j'ai intégré la Poste française, il y avait 300 000 personnes. C'est le premier employeur de la France après la fonction publique. Et la Poste française est dans l'ensemble des sujets, on va dire… en fait, quand je parlais de téléphone mobile, la Poste française fait la téléphone mobile et c'est une société où 87% des Français ont confiance en elle
parce que les facteurs, il y a plus de 70 000 facteurs. À un moment, il y avait 100 000 facteurs, mais 70 000 facteurs qui font la tournée chaque fois pour relever, pour donner les courriers. Et donc, la Poste a développé des services. Ils disent que, bon, voilà, on a 70 000 facteurs, on a 100 000 facteurs. Aujourd'hui, leur cœur de métier, qu'ils appellent le métier noble, c'est envoyer du courrier et colis. On dit, mais si tu es en contact avec la population, pourquoi ne pas faire des produits additifs qui sont innovants? Par exemple, je peux citer deux. La Poste a fait des partenariats avec des services d'assurance de telle sorte que, par exemple, quand il y a un dégât, des eaux, un sinistre, le facteur, les photos qu'il va prendre de ces dégâts-là pour envoyer à l'assurance sont certifiées. La Poste m'a fait même passer pour les permis de conduire. Ça, je vous cette parenthèse. Et la Poste, bon, vous savez, les sociétés occidentales sont un peu différentes des nôtres. Je peux vivre à Paris et puis mon père vit à Montpellier. Je ne le vois pratiquement pas. Ils ont créé un service pour que le facteur, chaque jour, passe prendre un verre avec le papa pour voir si tout va bien, etc. Bon, nous, on n'a pas ça. Ce n'est pas tout à fait comme ça. On a toujours quelqu'un à côté du papa. Bon, je ne sais pas. Mais ouais, c'est ce genre de service. C'est-à-dire que dans l'innovation, on va dire permanente. Donc, moi, c'est dans cet environnement-là que j'ai été extirpé pour venir dans l'environnement nigérien, qui, malheureusement, on n'était pas dans une phase, ascendante. Donc, il a fallu un peu remobiliser tout le monde, redonner confiance à tout le monde. Et j'avais l'habitude de dire, et c'est comme ça que moi, j'ai pu m'en sortir, psychologiquement sur ça, parce que je me dis qu'il y a deux bons sens. Il y a le bon sens français, les Français se comprennent, il y a le bon sens nigérien. Je m'adapte au bon sens nigérien, parce que si je m'adapte au bon sens français, que je veux coller au nigérien, on va me rejeter. Ou en tout cas, les objectifs qu'on voulait s'assigner ne seront pas exécutés. Donc, je pense que ça se passe bien, puisque bon, les résultats sont là. Le climat social est apaisé à la Poste. Le climat social est très apaisé. On a un dialogue constructif et très franc avec les partenaires sociaux. On a quand même 4 syndicats. Donc, à chaque fois qu'il y a des préoccupations et qui sont légitimes, on s'assoit, on discute et on essaie d'avancer pour le compte de la Poste. Donc, je pense que avec aussi les résultats qui sont en train d'arriver, la trésorerie qui se porte beaucoup mieux, maintenant, on fait des investissements. Donc, je pense qu'il y a une satisfaction qu'on peut avoir. Ça ne peut pas aller aussi vite que je veux, qu'on peut, parce qu'il y a un certain nombre de choses à faire. On a d'ailleurs fait dernièrement, et on va l'appliquer, un audit organisationnel chez nous pour nous aider à voir où est-ce qu'on peut améliorer certains fonctionnements, où est-ce qu'on peut renforcer tel endroit, etc., pour se réinventer. C'est ça la chose, pour se réinventer, pour être une nouvelle Poste, parce qu'aujourd'hui, ça va très, très vite. Ça va trop vite. Donc, si on ne s'adapte pas, on meurt. Donc, je pense que, bon, il y a quelques postiers qui sont là. Ils sont un peu contents quand même de mon passage jusque-là à la Poste. D'accord. Très rapidement, avant la dernière question, est-ce que se réinventer, c'est une question qu'on a déjà posée à d'autres de vos collègues, passe par la diversification, par exemple par la téléphonie mobile. Vous êtes un vaste territoire, vous êtes un service public universel, vous avez l'avantage d'être à plusieurs endroits. Est-ce que vous avez à l'idée de vous développer dans la téléphonie mobile, par exemple? Absolument. En fait, si on pouvait faire tous les projets qu'on allait faire, et si on avait un accompagnement, on a déjà un accompagnement, je vais un peu reformuler, on a déjà un accompagnement très important de l'État. Mais je pense qu'au fur et à mesure et au fil du temps, l'État doit comprendre qu'on a un formidable outil de développement. Vous voyez, il convient de savoir que l'aménagement des territoires passe aussi par les postes. La délivrance des papiers administratifs comme le casier judiciaire, le permis de conduire, ce sont des services qui doivent être délégués à la Poste. Et aujourd'hui, la Poste, quand elle se met en opérateur tiers entre l'administration et le client, elle fera son travail par rapport à, il n'y aura pas de contact direct entre le client et l'administration publique. Vous savez, sans trop entrer dans le détail, des fois quand on va dans un endroit, on veut avoir son permis, son truc rapidement, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez comment ça se passe. Mais s'il y avait un opérateur tiers pour lequel vous pouvez faire une commande directement sur Internet, vous n'avez pas besoin d'aller voir madame grâce à vos beaux yeux ou en fonction de vos têtes, ils vont se dire, bon, moi, je suis en pause, moi, je vois mon... C'est direct, c'est fait. Et la Poste peut être cet intermédiaire de facilitateur ou d'accélérateur de services rendus et de services de qualité. Donc, aujourd'hui, vraiment pour répondre à votre question,
ce sont ces choses-là sur lesquelles on doit s'appuyer et sur lesquelles on doit avoir non seulement une confiance plus importante de l'État pour les aider à résoudre leurs problèmes. Une question. Monsieur le directeur, vous êtes une nouvelle génération de jeunes dirigeants performants et qui boostaient un peu ce secteur méconnu et qui mérite pourtant de l'aide car fort intéressant. Alors, que pouvez-vous dire à nos jeunes Africains pour qu'ils se dirigent dans ce secteur? Bon, je ne sais pas par quel bout commencer parce que vous savez, quand je pense que c'est sous la formation et puis l'information. Peut-être que nous, je vais vous faire une anecdote. Nous, pour le recrutement aujourd'hui, même si c'est amené à évoluer, on passe par le schéma classique qui sont faits dans beaucoup de postes jusqu'alors, par des concours. On fait un concours, on dit on a besoin de tel niveau pour occuper telle fonction. Nous, on a les inspecteurs et les administrateurs. Hein, vous voyez, les inspecteurs comme le commissariat, donc c'est un peu à l'ancienne. Et avant, il me semble, il y avait peut-être entre 200 et 300 dossiers qui étaient déposés. Pourquoi? Vous savez comment ça se passait? Quand on faisait l'appel à candidature, on venait plaquer ça autour d'un bureau et puis on s'en va. On ne faisait pas en sorte que la population soit au courant qu'il y a un concours qui se fait à la poste. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait évoluer pour les mettre en digitalisant un peu ça et en mettant ça dans les plateformes des réseaux sociaux pour qu'on sache qu'il y a un concours. Donc, celui qui n'a pas accès au bureau physique de la poste ou à la direction générale de la poste pour voir les trucs ne pourra pas, en tout cas, cette personne aura cette information. Deuxièmement, on a encore enrichi parce que ce qu'on était, on disait qu'avant, il fallait des sciences économiques et juridiques pour le faire. J'ai dit non, on ouvre. Tout celui, même si tu es un psychologue ou un truc comme ça, mais ce n'est pas parce que tu es psychologue que tu n'as pas fait tu n'as pas des aptitudes en termes, parce que le concours, c'est avec des mathématiques, puis français et puis géographie, que tu ne peux pas répondre à ces besoins. Parce que nous, ce dont on a besoin, c'est des personnes capables, intelligentes et puis capables de faire bouger les choses. Ça aussi, c'est un facteur d'ouverture qu'on a fait pour permettre à tout celui qui veut se présenter de le faire. Aujourd'hui, je pense, bon, on dérache à côté, c'est combien de dossiers? 10 000 aussi? 12 000. Vous voyez, on est passé de 300 dossiers déposés à 12 000 dossiers déposés. Donc, ça dit qu'il y a un intérêt. Ça, c'est un indicateur très important pour nous de notre notoriété, de la confiance que les gens ont, puisque justement, on a fait beaucoup de communication, pas assez, mais on va continuer à le faire, mais la communication coûte cher. Bon, donc il faut toujours arbitrer. Et aujourd'hui, on a 12 000. Et c'est une fierté, ça veut dire que beaucoup de gens s'intéressent à notre secteur. Et moi, en tout cas, pour répondre à votre question, c'est l'un des moyens pour y arriver. Après, il faut faire, pour revenir à la question, parce que vous avez parlé de diversification, à travers une certaine diversification, quand on créera une filiale, et ce sera le cas de téléphonie mobile, on aura besoin des ingénieurs ou des techniciens de télécom. Quand on créera une filiale de tous ceux qui… par exemple, le e-commerce, c'est une filiale, il finit qu'on veut, type Jumia. Mais ça, ce sera des privés qui vont intégrer avec des actions, etc. Donc, voilà peut-être un chemin pour arriver à intéresser tout le monde, parce que c'est vrai, le mot « la poste » n'est pas un mot sexy. Je le dis tout le temps. Déjà, notre mot, quand on dit « la poste », bon, voilà. Donc, du coup, on vient de loin. Et maintenant, il faut absolument rendre ça accessible, sexy, pour que les gens aient envie de la poste, quoi, tout simplement. Très bien. On aura bientôt les nouveaux atours de la poste. Monsieur le directeur général, vraiment merci. Je sais que vous êtes pris par le temps. Vous avez un conseil d'administration qui n'est pas loin. Et vraiment, on apprécie votre disponibilité. Juste une minute pour conclure ce passage ici. Bon, merci de nous avoir offert ce plateau pour faire en sorte que éclairer les personnes sur les activités du Congrès notamment, de la Poste du Niger en particulier, de ce que l'avenir du secteur postal peut contribuer pour le développement économique et social. J'insiste là-dessus. Mon vœu le plus cher, c'est que les prochaines années,
quand on va parler de la Poste, qu'on parle aussi de la Poste autour de l'inclusion financière, de telle sorte que les Postes soient des acteurs incontournables de l'inclusion financière, toutes les Postes. Parce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir et qu'on fera face à l'ensemble des concurrences et qu'on aura notre propre capacité à pouvoir investir de manière très importante sur le, comment dirais-je, sur les autres activités de courrier-colis qui sont des activités, nos activités cœur de métier. Avec le, vous savez, le colis, le e-commerce est en train de se développer de manière importante. Voilà. Donc il y a tout ça. Donc vraiment, c'est ce mot-là que je, c'est ce vœu que je veux pour les prochaines années. En tout cas, bonne chance. Bonne chance. Je voulais juste rappeler que nos interviews, les émissions ici sont retransmises sur les plateformes de l'UPU, dans vos amis postiers qui sont à l'autre bout J'espère du monde. J'espère qu'ils m'entendent. Mais bien entendu, vous en regardez via les divers canaux de l'UPU. Et ce sera en replay après sur YouTube. Donc, vous pourrez également vous réécouter. Merci beaucoup. Merci. On va passer rapidement à la séance des photos avec les journalistes et ensuite avec les organisateurs. Merci, monsieur le DG. Merci.